À ton avis, est-ce qu'on peut faire un fromage dans un estomac de bébé chèvre? Eh bien oui, et cette merveille est produite dans le pays natal du Casumarzu. Vous l'aurez compris, cette spécialité est originaire de Sardaigne. Elle est très chère de par sa fabrication unique et elle n'est pas facile à trouver. Cependant, dans la ville de Nuoro, où le fromage serait encore fabriqué et commercialisé, il serait plus facilement trouvable. C'est un fromage de chèvre qui a l'aspect d'un jambon sec, et il est à savoir que sa méthode de fabrication est des plus antiques. Il aurait une préparation semblable au tout premier fromage primitif, et c'est cela qui ferait de lui un exemple authentique de paléogastronomie. Alors, à partir de maintenant, il vous faudra avoir l'estomac bien accroché. Vous comprendrez la blague après. Pour faire court, si vous voulez réaliser un délicieux calou de cabretu, il vous faudra prélever l'estomac d'un bébé chèvre non sevré rempli de lait maternel, que l'on noue aux deux extrémités et que l'on pend dans un endroit sec durant 2-3 mois, parfois plus. La méthode de confection est assez originale, puisque le lait est prélevé directement dans l'estomac du chevreau abattu peu de temps après avoir tété. Si l'estomac n'est pas assez rempli, on y ajoute du lait fraîchement trait et éventuellement un peu de sel pour favoriser la conservation et le goût. Ce qui produit un fromage à la présure de chevreau presque naturellement. La présure, c'est ce qu'on utilise pour faire du fromage, et elle peut être d'origine animale, végétale, microbienne, champignonienne ou de synthèse. La présure d'origine animale est extraite de la caillette, le quatrième estomac des jeunes ruminants. Oui, vous avez bien entendu, j'ai parlé d'un quatrième estomac. Et pour mieux comprendre cette histoire, faisons un cours d'anatomie. Les ruminants ont un système digestif composé d'un estomac, la caillette, et de trois pré-estomacs, la panse, le bonnet et le feuillet. Les sucs gastriques de la quatrième poche de l'estomac, appelée la caillette, se composent de présures, ce qui transforme le lait maternel en lait caillé. Quand l'alimentation des petits ruminants s'appauvrit en lait, la caillette devient proportionnellement moins développée et produit de moins en moins de pepsine, une enzyme indispensable à la transformation du lait et à la coagulation des protéines. C'est pourquoi la présure animale se prélève uniquement sur les animaux de lait, de petits ruminants bénéficiant d'une alimentation uniquement lactée. Bon, maintenant que tout est clair, le calou de cabretu, quel goût ça ! La pâte de calou de cabretu est jaune pâle avec une consistance compacte, crémeuse et granuleuse. La saveur de ce fromage de chèvre est très forte, âcre, aigre et presque épicée paraît-il. Il semblerait que malgré son goût intense, après une bonne gorgée de vin rouge corsé, le fromage ne serait pas désagréable du tout, et il serait même délicat. La coutume locale est de le déguster simplement tranché avec la peau de l'estomac sur du pain pané de carosso et du vin rouge typiquement sarde. Il peut être également frit avec du sindou ou ajouté à une préparation culinaire, mais vu qu'il coûte en moyenne plus d'une centaine d'euros le kilo, on le consomme généralement nature comme n'importe quel produit de luxe. Le fromage n'est pas surproduit en Sardaigne, ce qui explique sa rareté et son prix. Cette recette est le résultat d'une gastronomie astucieuse et anti-gâchis. Les consommateurs modernes de fromage de supermarché pourraient trouver cette spécialité extrêmement forte, comme son cousin le Casumarzu. Ah, le Casumarzu. Du coup, dites-moi demain, qui serait prêt à déguster le primitif fromage d'estomac ? J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. Ciao !